Je suis opérateur de maintenance du matériel roulant sur les TGV. Je change les pièces, je change les pantographes, les bogies, les amortisseurs. En fait, j'ai été embauché à la condition que je suive d'abord la formation en train qui a duré 20 mois en alternance. Donc ici et dans le centre de formation, j'avais des interprètes et j'ai appris toutes les techniques de maintenance classique. Et aujourd'hui, je suis là, je travaille sur les TGV, donc je suis épanoui. Mathieu est avec nous depuis 2 ans et demi à peu près. Il s'est très bien intégré à l'équipe. Nous l'avons bien accueilli aussi, on l'a bien encadré. On utilise beaucoup de SMS quand on veut qu'il prenne conscience de ce qu'on veut lui faire comprendre. C'est quelqu'un qui a du métier, du savoir-faire et qui sait s'adapter à l'environnement particulier qu'il a su rencontrer. Quand on est sourd, on n'entend pas les bruits autour. Mais au quotidien, dans la vie de tous les jours, on est habitué à ce genre de situation. Donc c'est vrai que les notions de sécurité, elles se gèrent visuellement. De nombreux acteurs n'étaient pas complètement convaincus au départ et on a fait appel à un cabinet spécialisé dans le handicap auditif pour repérer éventuellement les axes ou les points qui pouvaient être à risque au niveau de la sécurité. Alors en termes d'aménagement, j'ai un vibreur qui me permet de repérer les alarmes et les ponts qui se déplacent. Et ensuite, lorsqu'un Fenwick arrive, je vois le gyrophare. Je pense qu'on peut tous faire un métier lié à la sécurité et avoir un handicap. Du moment que l'accompagnement se fait au quotidien et que le collectif est au service de cette personne et inversement, la personne au service du collectif. Moi, je ne me perçois pas comme une personne handicapée. Les gens me voient comme une personne handicapée ou voient les sourds comme des personnes handicapées. Pour moi, ce n'est pas le cas. Je me sens bien, je peux fonctionner tout seul, donc j'avance.